Allez, aujourd'hui je vous propose le placement rappel. On va se positionner les billes de façon approximative. Le but étant de se placer correctement sur la 3 qui évidemment deviendra notre 2 et voir un petit peu comment ça se passe au niveau de son rappel. Si on peut la rappeler directement, passer par la bande, etc. et ceci, cela. Donc ça, c'est notre arrivée sur la 3 qui le déterminera. De ce que j'ai pu remarquer, c'est vraiment une question de feeling. Donc je préfère le préciser d'ores et déjà. Sur notre bille, c'est sans effet. Centre de bille, un chouïa plus bas pour éviter de couler. Donc, et ensuite, grosseur de bille sur la 2. Incidence égale réflexion. A tout de suite. Bonsoir à tous, billard de 3m10. On est parti pour cet exercice de placement rappel. On va partir sur cet exemple là. Et puis on a un point de ce genre. Voilà. Moi je suis gaucher, ça m'ennuie de le jouer comme ça là. Ici c'est compliqué. Et elle on peut pas la ramener. Sauf si on doit faire un piqué rentrée démoniaque. Nous sommes la bille blanche. Et donc on va chercher à se placer sur cette jeune pour la rappeler le coup d'après. L'idée ici, c'est donc d'apprécier la grosseur sur la bille numéro 2, donc la rouge, et de se placer sur cette jeune. Donc on va essayer ça. Donc on va... Moi, je pars toujours centre de bille, un petit peu plus... On envoie. Et on se positionne sur cette jeune. Une fois qu'on est positionné, on regarde là s'il y a moyen de la faire rentrer. Et direct, on va... J'ai l'impression qu'elle rentre. Enfin, c'est approximatif comme rentrée. Hein. C'est approximatif. Ouais. On va dire qu'elle est plus ou moins rentrée dans le... Elle revient dans notre champ d'action, on va dire, entre guillemets. Voyons. Un petit massé. Pour se positionner sur cette jeune. Et on va pas être la jeune, elle est un peu loin. Truc comme ça. Bon, je fais pas le point, mais voilà, si j'avais fait le point, on aurait réuni les billes. Bon, c'est pas si mal, c'est pas si mal. Alors, on recommence. Donc, l'objectif, vous l'avez compris, hein, de cet exercice, c'est de réunir les billes. Évidemment. Encore une fois, ça reste approximatif. Voilà, on positionne comme ça, à peu près. On va jouer cette jeune, comme tout à l'heure. Ici, moi, je pars toujours sur centre de billes, un petit peu plus bas. J'essaie évidemment de le jouer en mesure. Voilà, on fait le point. Ça se présente pas comme on l'avait prévu. Il y a moyen. Je la déborde, je l'ai débordée. À mon avis, c'est une connerie de la doubler, donc on va essayer de la rapprocher. Toujours pareil pour avoir les billes de façon approximative. On fait le point limite. Voilà, vous voyez. On se positionne. Petit piqué et... Je déborde cette rouge, pas trop mal. On était dans une position assez délicate au final. Voilà. Et ce point-là, on peut évidemment l'agrandir. Allez, je m'éloigne un peu. Là, le point d'échelle, il est plus possible. Si je fais le point par là, la rouge, elle s'échappe. Là, on est pas mal. Voilà. Donc là, clairement, il faut chercher un placement sur la rouge. Bon, là, c'est plus délicat déjà, parce qu'il y a plus de distance. Donc là, hein, on prend l'information, on se recule, on essaie de voir un petit peu cette incidence, cette réflexion, voyons. Tac, et je me positionne. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a moyen de ramener cette rouge? Ça me paraît compliqué ici. Il faut être plus fin que d'habitude. Donc c'est un point d'échelle, hein, clairement. Donc là, je calcule mon incidence à peu près. Voilà, tac, hop, je le répercute ici, je vois que je ne fais pas le point, donc je vais rajouter un petit peu d'effet, mais pas beaucoup, vraiment pas beaucoup, parce que si je le rate à l'aller, je peux le faire ici au retour. Encore une fois, c'est une rentrée approximative, ici on ne cherche pas à avoir les billes en paquet. Allez, je positionne. Voilà, dommage. Allez, on recommence, voilà, donc on écarte encore un peu plus les billes, voyons, là je peux pas ramener, ici c'est compliqué. Voilà, je cherche un placement sur la rouge, on a une bande, voyons. C'est pas un exercice facile, hein. Moi je galère, hein. J'ai du mal avec ça parce que... Là, c'est problématique quoi. C'est problématique pour moi parce que j'ai pas vraiment de repères. Parce que qu'est-ce qu'on sait? On sait que si on joue plein ici,
En attaquant au centre, on sait qu'on part à peu près à 90 degrés, mais à quoi ça me sert? On s'en fout. Le demi-bille bas, on sait qu'on part également à 90 degrés, mais là, on voit bien que c'est pas ça qu'on cherche. Là, on cherche un angle un petit peu bâtard, quoi. Donc là, c'est vraiment un truc visuel. Sans parler de pif, c'est juste de l'instinct, quoi. Donc c'est pour ça que comme je travaille l'instinct, c'est-à-dire grosseur de bille, moi, je suis sans effet ici. Et je ne travaille que sur la grosseur de bille de la bille numéro 2. Pour aller chercher un placement. Voilà. Alors évidemment, qui dit placement implique bonne distance. Donc ça veut dire qu'il faut plus ou moins donner le coup en mesure pour pas être trop dans la difficulté plus tard. Donc là, vous voyez qu'on a... Là, c'est plutôt idéal, hein, malgré tout. Si je veux la faire rentrer, il faut que je sois moins, plus fin, hein, évidemment, pour la faire rentrer, parce que je veux que la rouge touche la petite bande. Voyons, on sait que si je joue dans le bas intégral, demi-bille, j'arrive à 90 degrés ici. Tac, tac, voilà, à peu près. Hop, ici, je rate le point. Donc, beaucoup de bas et un petit peu d'effet vers la bille, là où je veux aller, donc à gauche. On va voir ce que ça donne. Allez. Et vous voyez, hop, on ramène tout ça à la maison. Ça, c'est bien joué. On avait une position un petit peu bâtarde ici. Et au final, en deux coups, on se retrouve avec les billes dans une même zone. Dans le tiers du billard, c'est exactement ce qu'on recherche. Alors, on va le faire une dernière fois. On va essayer de se le compliquer encore plus. Hein. Voilà, on va aller... Là, c'est bon, là, c'est vraiment très compliqué. Vraiment pour l'entertainment, parce que je crois que la plupart des gens, certainement, le jouent ici en deux bandes, voire trois. Fou la rouge là-bas dans le coin et ensuite essayer de se placer sur la jaune et va chercher l'ensemble, pourquoi pas. Bon, écoutez, c'est un challenge, on va dire que c'est un challenge. Voilà, un challenge. Allez, grosseur de bille, on verra bien de quoi il en retourne. Incidence, réflexion. Ouais. Paf. Ok, donc là, bon, on a une bonne distance. Est-ce qu'il y a moyen de ramener cette rouge? Donc je vais faire deux bandes, moi, ici. Et on va ramener cette rouge. Voilà. Ce que ça va donner. Un petit peu de bas. Un petit peu d'effet, pas trop. Voilà, une, deux, je vais serrer. Je vais serrer ici. Voilà, j'ai pas pris assez de billes. J'ai pris trop de billes, mais bon, j'avais le souci de ramener cette rouge. Bon bref, écoutez, voilà, bon, c'était assez rapide, assez bref. Ce petit point là de placement rappel, même si c'est peut-être pas ça qu'il faut jouer, c'est quand même un exercice que je conseille. Parce que ça vous fait travailler en fait des grosseurs de billes et des angles, incidence, réflexion un petit peu bâtards qu'on ne connaît pas trop, c'est-à-dire qu'on n'a pas nos références habituelles. Et au final, il n'y a pas de secret, si on veut consolider notre jeu sur ces points-là, il faut vraiment les visualiser et pour les visualiser, il faut les travailler. Sur ce, je vous fais le béco, ça m'a fait plaisir. Et on se retrouve très très vite.